Duke King Julius style. Salutations les lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre troisième petite découverte de la journée. Et cette fois-ci, nous sommes sur Gedonia. Alors, je tiens tout d'abord à remercier les développeurs et éditeurs Kazakov Oleg de m'avoir gentiment donné accès à son jeu en m'offrant une petite clé. Donc, c'est un petit jeu que vous pouvez retrouver sur Steam qui est sorti le 1er juin 2020. Les évaluations sur Steam sont très positives. Donc c'est un RPG en monde ouvert, c'est en accès anticipé. Et celui-ci se joue à la troisième personne. Alors par contre il n'est qu'en anglais et en russe. Par contre tout ce qui est interface audio et sous-titres, tout est en anglais. Et pour le russe il n'y a que l'interface et les sous-titres. Pas de français pour le moment. Ça se joue en solo. Je ne sais pas s'il y aura du multi plus tard ou non. En tout cas... ce petit jeu, vous pouvez le retrouver en promotion actuellement sur Steam. Normalement, il coûte 9,99€, donc 10€. Là, il est à moins 50%, donc vous l'aurez à 4,99€. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Ça fait beaucoup de voilà, je trouve. Donc, Gedonia est un open world, est un RPG en open world classique, avec beaucoup de features complètes. Dans un monde libre, vous pouvez construire et façonner votre personnage, explorer le monde et compléter des quêtes. Et bah écoutez, on va se lancer, on va aller compléter un tas de quêtes, on va essayer de voir si ça se passe bien pour nous. Et puis on va se lancer dès maintenant, donc continuer ça va être compliqué, je vais faire New Game. Donc il y a un côté un peu... polygone, donc là on peut genre... faire que des donjons, tester l'arène ou aller en open world. Change mode game. Enfin, choose et non change. Ouais, moi je vais mettre en mode open world. Hein. Ok, donc là je fais mon... Ah, il y a un petit côté cel shading aussi, je vous ai pas dit. Là, on peut le voir. Donc, c'est parti. Je vais choisir un monsieur. Le body. Ouais, je peux prendre un petit rondouiller ou... peut-être un peu trop costaud. Je vais prendre celui-là. Il a l'air d'avoir une taille un peu... normale, j'ai envie de dire. Ah, par contre, ouais, j'aurais peut-être dû bien regarder. Ouais, je crois que c'est celui-là le premier. Peut-être un peu jeune, là. J'ai peut-être resté sur la première tête aussi. Je sais pas si je peux... Non, je peux ouais, pivoter le perso, c'est... en allant directement ici. Alors j'espère que le son est pas trop fort. Et j'ai baissé un petit peu le son. Donc j'espère que ça ira. Je vais rester comme ça. Ça me semble pas mal. Pas de cheveux. Hair color. Voilà. Et par contre, ouais, j'ai une sacrée barbe. Pas que la moustache, s'il vous plaît. Non, je peux pas avoir plus. Je suis puni. Il n'y a pas une barbe complète. Vous êtes sérieux ou quoi? Ah, comment je suis triste. Ah bah écoutez, je vais prendre celle-là, faute de mieux. Ça fait bizarre quoi, ils auraient pu essayer de combiner... j'ai ma souris qui part en cacahuète, ouais, le bouc et la moustache. Avec celle-là. Bah écoutez, voilà, ça va être nos têtes. Ah, par contre, j'ai pas vu les coupes de cheveux, hair color. Je peux faire quoi? Je peux me faire un ticket sur la tête, ouais, une petite crête. Ok. Ah, c'est pénible de pivoter comme ça là. Voyons voir celle-ci. Non, c'est juste les petites mèches à l'avant. Ok. Et la petite crête. Attendez, je peux pas revenir à pas de cheveux là? Non. Non, non, je veux pas de cheveux. Il n'y a pas l'option. Ah non, c'est redécoupe de cheveux. Ok. Ok, c'est bon. Bah, je vais rester comme ça. Ça me semble pas mal. Mon nom de héros. Ce sera King Julian, comme d'habitude. Et puis, bah, écoutez, on est bon. J'ai envie de dire next. Ok, donc je peux choisir des points de caractéristiques. La force, l'agilité, le charisme ou l'intellect. Donc l'intellect, c'est pour le mana et la magie. Est-ce que j'ai envie d'être magicien? Je ne sais point. La réputation auprès des marchands et compagnie. Ok, l'agilité, increase damage movement, et puis pour attaquer plus vite. Et là, c'est la force brute, avoir plus de vie. Déjà, ouais, je veux plus de vie, moi. Ok. C'est quoi après, là?
Shulk can use the heavy armor. Ok, alors là, ça se trouve, tout ce qui est en rouge, c'est ce que je ne peux pas faire parce que je ne suis pas assez puissant dans un domaine. Ah, vous voyez? Là, ça augmente. Par contre, je fais comment pour rediminuer là? Non, mais je veux en enlever là. Delight. Ouais, je veux delight. Il n'y a pas moyen de. Ah, c'est mis quoi. Alors, je vais faire back. Et je vais faire next. Non, t'es sérieux, c'est resté. Ah, je suis bloqué avec mon perso comme ça. Je peux pas delight. Ah, je peux pas. You need more stats points. Ah, je suis obligé de me taper ça comme ça, c'est abusé. Pourquoi on peut pas replacer ces points? Il aurait pu mettre en sorte qu'on puisse ou non valider si on voulait que ce. Bah, ah, on fait un mauvais clic et puis on l'a dans le flux. Donc là en gros. À moins que ce soit ma souris qui marche pas là parce qu'elle part un petit peu en cacahuète. Mais ça a pas l'air de. Ok, ça m'affiche mes points. 142 vie, stamina 130, mana 180, mouvement speed 3, attaque speed 85%, critique chance de critique 4%, expérience gain lane 120%, trading price 90%, melee damage, ok. Ah, je suis un peu frustré, déçu. Ah non, là. Ok. Non, fallait les voir les moins à l'intérieur. Ok. Donc là, je deviens un pur magicien si je fais ça en charisme et que je me mets full. Ah, je peux pas m'en mettre plus si. Faudrait que j'en enlève deux. C'est une petite barre pour une entière, c'est ça. Là, je serais full magicien. Ah, je peux. Ah oui, non, c'est là. Ok. Ok, je peux faire ça comme ça. Mais c'est exactement, je crois, que ce que j'avais. Est-ce que, au pire, je pourrais essayer de faire de moi un paladin? On va essayer de voir comme ça. J'aimerais bien tester quand même, ouais, les effets magiques et compagnie pour voir. Puis on testera. Pour l'instant, je peux pas porter d'armure lourde. Ça se trouve, peut-être qu'on pourra équilibrer partout plus tard. Uncle, I saw a dream last night. Oh yeah? What about? I saw a cave. Ok, je peux pas bouger la caméra. Mais il y a un côté polygone effectivement quand même. Shell shading polygone. You never told me anything about my parents. How did they die? Look, kid, it's your 18th birthday today, and I think you should finally know the truth. I'm not your real uncle. I found you as a baby at my door. I thought I saw a figure of a woman in the distance, but when I looked again, she disappeared. What if there is a truth about my parents up in that mountain? I need to know. If you need to know, then climb it. Okay. Regarde-moi tous ces petits papillons qui volent. J'aime beaucoup la DA. On aura l'impression d'être dans un dessin animé, ça se trouve. Géodonia. C'est moi! Oh là là, comme dans Assassin's Creed Valhalla ou tous les autres, je suis en train d'escalader la montagne. Regardez-moi ça, comment. Ouais, tout ça pour aller chercher des œufs? Non, mais dites pas ça quand même. Avant que ce soit des œufs de griffon ou. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai une voix d'ado. Mais je fais plutôt vieux, je suis chauve, j'ai plus un poil sur le caillou et puis je me tape une barbe. Ah, ok, d'accord. Et là, je me suis téléporté depuis le plafond. J'espère que j'ai pas avoir de problème avec la musique aussi. Ok, donc entre-temps, il y a eu un petit temps de chargement. Ok, donc mes rebinds ne marchent pas du tout.
Ah, pourtant, quand j'appuyais sur. Ouais, ok, faut que je rechange mes binds. Ce qui est marrant, c'est que quand j'appuyais sur Z, ça me mettait W dans les paramètres. Alors que là, ça ne fonctionne pas du tout. Je me retrouve à sortir mon arme et à avancer avec W. Donc, va falloir que je m'amuse à mettre un W ici en appuyant dessus. Mais si j'appuie sur Z. Ah, regardez. Là, j'appuie sur W, ça met W. Et là, je vais appuyer sur Z, ça va me mettre Z. Oh, la galère. Résume. Ok, ça me sort toujours mon épée. Ah, cette problématique. Je vais appuyer sur. Non, c'est n'importe quoi. Là, j'appuie là, ça me fait Z. Ok. Que j'appuie sur W ou Z, ça me met Z. Et là, que j'appuie sur. Et donc là. Je veux Q. Ok. Et là, pareil, je mets Q, ça me met Q. Si je mets A, ça me met Q. Ça va être problématique. Je vais essayer de passer mon clavier en QWERTY pour voir si ça change pas là. Bon, ok, ça veut pas. J'ai passé mon clavier en QWERTY. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas rebinder les touches. Mais bon, est-ce que je peux ramasser les. Non, je peux pas ramasser les champignons. Je suppose que là, par contre, ouais, je peux ouvrir le coffre. Je vais tout prendre comme ça, c'est réglé. Je suppose que j'ai pas non plus de loupiote. Ah, j'ai pas assez d'agilité, donc j'ai pas le droit de courir pour le moment. Ok, je peux même pas me baisser. Je peux sauter, ce qui est déjà pas mal en soi. Est-ce que si je coupe du champi, non, ça veut rien faire du tout. Ok, bah, écoutez, faut que j'avance et j'ai pas le droit de courir. Ouais, machin, secondary action. Ok, pour me défendre. Par contre, ça me défend pas tout le temps. Ok, j'ai entendu un méchant là. On va taper tout ça. Voilà, merci bien. T'es mort ou pas? Ouais, est-ce que je peux fouiller la bestiole maintenant, vu qu'elle brille et qu'elle pétille? Je ne sais point. Ok, je peux. Ouais, je peux vraiment pas fouiller. Je sais pas à quoi c'est dû. Ok, ah non, faut que j'appuie sur Left Control pour speeder. Ah non, ça va être quelque chose. Il va falloir que je rebinde ça aussi. Moi, je veux sprinter avec Shift. Ah, cette space. Moi, je vais faire ça dans les paramètres. Ok, je peux enfin fouiller. Ça a l'air de marcher. Alors, j'ai rebindé ma touche. Maintenant, c'est Shift pour courir. Et j'ai pas assez d'agilité, pardon, pour dodge. Donc, ça va attendre. You can focus, machin, bidule truc. Press tab. Ouais, sauf que j'ai rebindé et j'ai mis mousse 4. Et tab, c'est mon inventaire. Alors déjà, ces deux binds qui ont fonctionné. Ah, je peux peut-être l'équiper, non? Voilà, je peux m'équiper et tout. J'ai même genre. Ça, je sais pas, c'est des simples. Ouais, des flèches. J'aurai un arc aussi. Ok, les jeunes. Je peux peut-être me mettre des trucs en bas, non? You can only. Ah, on peut pas lire à cause de la poubelle, ils sont sérieux ou quoi? Abilities in this slot. Ah, je peux mettre que des habilités. Ok, je peux pas mettre mes armes en raccourci, quoi. Ah, peut-être. Ah, j'ai une torche. Non, mais s'il te plaît, la souris. J'ai ma souris, vivement que le Père Noël passe là parce que ça commence à être tendu. Je peux rien mettre partout. On peut voir que j'ai ma vie là, 140, mon mana. Donc, je suis. Ah là je peux mettre une torche. Ok. Je peux me mettre un gourdin aussi. S'il veut bien venir. Ok, parfait. Je vais mettre ma hache. Et puis bah les flèches, non, je vais éviter. Par contre, je peux peut-être prendre mon arc. Ah, si ma souris elle veut bien. En attendant le Père Noël. Voilà. Comme ça, je vais voir si la Zabas. Donc si je fais 4. Ok. Par contre, j'ai l'impression d'être coincé là. Ah ouais, ok, d'accord. Parce que si je lock, voilà comment je vise. C'est juste pas possible. Alors que là. Ah là, je l'ai one shot. Je peux faire 7 peut-être.
Canonyware. Non, genre, je peux pas. C'est pas. Attendez, c'est une torche ou quoi là? Undead machin. Ok. Ok. Je vais fermer ça. Je vais faire 6. Ok. Est-ce que je peux faire 7 maintenant? Ah ouais, la galère. Fallait que j'ai rien dans les mains pour pouvoir la prendre, la torche. Ok. Bon, on va s'essayer la masse. Alors, ce qui est marrant, c'est que tous mes items, bah, ne restent pas clipsés en bas, quoi. C'est n'importe quoi. C'est juste pas possible. Mets-toi là. Non, mets-toi à côté, s'il te plaît. Remets-moi ça ici. Ah ouais, si je peux pas avoir des raccourcis pour changer d'arme ou machin, c'est pas possible, quoi. À moins qu'après il faille. Ouais, je vais tout prendre. Se spécialiser dans une arme, mais sinon ça va être compliqué, quoi. Ok, je peux même. Ah, je vais prendre ça. Ah, je sais pas ce que je pourrais mettre là dans les petits carrés. Est-ce que genre je peux mettre ma hache? Non, se trouve c'est peut-être aussi des coups surpuissants. Non, je peux rien mettre en haut. Je sais pas ce que ce sera. Là à côté, j'ai rien du tout. C'est les consommables peut-être. Non, les consommables sont là. Ça, c'est les items qu'on peut utiliser. Ça, c'est tout ce qui est des items simples, les armures. Et là, les armes. Ok, j'ai 20 petites pièces d'or. Et j'ai 3 emplacements de sacs. Ok, c'est parti. Je sais même pas si je pourrais genre crafter ou farmer des ressources pour justement bah, peut-être être un petit forgeron ou je sais pas quoi, me farmer un petit peu de matos. Donc là, il y aura un chemin qui mènerait à absolument rien du tout. Est-ce que je peux vite faire piquer par là, histoire de pas faire tout le tour? Ah, je suis en train d'utiliser de l'énergie. Vas-y, s'il te plaît, fais-moi sauter. Non, il veut plus. Il veut plus, je suis puni. Faut que je fasse le tour. Ah ouais, si c'est un cul-de-sac, le truc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bah ouais, j'ai l'impression que c'est un cul-de-sac, à moins qu'il y ait un chemin qui passe par là. Là, il y aurait un pont. Ah ok, d'accord. Allez là. Il y a une petite trempe. Ok, on va faire tout le tour. Et puis on va aller examiner tout ça. Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'on n'est plus dans le noir. On y voit beaucoup mieux. Qu'est-ce qui va se passer en arrivant ici? Petite cinématique. C'est parti. Ok, je vais quand même rebaisser un peu le son parce que j'ai pas envie de vous casser les oreilles. Ok, j'ai baissé un peu le volume sonore. Donc là, a priori, ce serait bon. Il n'y aurait rien d'autre sur les côtés. Donc je suppose qu'il va falloir peut-être descendre peut-être par là. Ouais, il y a une mini rampe qui nous amène de ce côté. Ouais, au pire des cas, si je tombe, c'est pas grave. Je pense que ça va m'amener de là où je viens. Est-ce qu'il y aurait des trucs encore cachés? Ah, pour le moment, on a rencontré deux petites bestioles. Ok, I'm stuck. Genre, je suis fatigué, j'ai faim, je sais pas quoi. Je vais me speeder un peu pour ressortir. Alors, je vois pas trop ce que j'ai écrit en bas à droite parce que j'ai le logo du micro et du record qui tourne sur GeForce Experience. Welcome to Gedonia! Dans ce jeu, vous êtes libre de faire, d'aller où vous voulez, de faire ce que vous voulez, et de le faire quand vous le voulez, tout simplement. What can you do this game? Donc, que peut-on faire dans ce jeu?
On peut progresser les main storyline by the mission marked by. On peut compléter les missions secondaires ou les quêtes secondaires, machin. First quest are in the village near the mountain. On peut conquérir des donjons et pour avoir un meilleur loot. On peut explorer le monde et en trouver ou en découvrir les mystères. On peut se joindre à une faction et trouver des ressources et fabriquer de l'équipement. Good luck. Merci à toi. C'est formidable. Regardez-moi ça. J'aurais envie de dire, c'est de toute beauté. On va essayer de monter par là pour voir un petit peu. Ah, je peux peut-être ranger ma lampe torche là. Par contre, 1, 2, 3, 4, pour le moment, j'ai toujours rien. Donc 4 et 5. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Je vais changer ça comme ça. Regardez, je suis là-bas. On voit mon ombre. Alors, mon ombre est sur le sapin. Mais elle n'est point sur le sol plus loin en bas. Ah, là-bas, il y aura un ours. Je ne suis pas trop motivé pour aller me taper un ours. Là-bas, il y a quelqu'un qui fait du feu. Je vais aller voir cette personne et nous allons voir tout de suite si cette personne est digne de mon amitié ou si c'est un vilain chenapan qui rôde dans les environs. Après, on ira faire un tour dans le village. Alors, où est-il? Il est là. Oh, toi, Manon, que fais-tu ici? Ah, je pense qu'on va avoir besoin de notre stamina pour se battre. Donc, vu qu'il est armé d'un arc, je vais quand même faire gaffe en allant le voir. Nothing, I'm just gonna leave. Ok, alors ce qui est marrant, c'est que, hop, ça me tourne sur le côté. Est-ce que je peux lui taper son cuisseau? Use. You need flowering to be used. Ok. Ok, je ne peux point. On va aller voir les feuilles. Je ne sais pas du tout. Oui, map. Non, j'ai pas accès à la map. J'ai rebindé ma petite touche pour accéder à la map, mais ça ne veut pas du tout. Quote, c'est bien ça, en haut, mais ça ne veut pas. Alors B, ça clignote depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Je peux être féroce, combat mastery. Je peux m'améliorer en archerie, en défense de bouclier. Je peux être un bandit, un voleur. La magie de la nature. La magie saine. Ou la sainte magie, la magie noire, la magie élémentaire et la magie des arcanes. Je peux m'améliorer en cuisine, en enchantement, en alchimie, en couture, en blacksmith et en tanner. Ok, alors je sais pas, ils veulent absolument que j'associe. J'ai 2 points de skill. Speech, pour avoir de la prestance et parler beaucoup mieux. Je ne sais point du tout... Combat mastery, ben, si je me lance dans l'archerie, je vais peut-être pas pouvoir verrouiller. Ah, peut-être en cooking. Ben, je vais commencer par les métiers. Ah, retourne machin, bidule, truc. Ok, je t'ai mis un point. Voilà, ça y est. Ah, je me serais bien. J'aurais bien voulu faire de l'alchimie aussi pour concocter des potions. J'aurais même bien voulu apprendre la magie noire. Je sais pas si on peut choisir 2 spécificités au niveau de la magie ou. Ou si pour le moment on est puni. Je vais juste me mettre un petit point. Require Sickle of Use. Ok, ça se trouve, il me faut une faucille. Donc je ne peux point. Là-bas, il y aurait une quête au niveau de l'arme. Ah ouais, d'accord, ça charge. Ah, il charge le bestiau. Ah ouais, il a voulu me charger. Alors je ne fais que passer en étant gentil. Alors ce qui est chaud, c'est que je suis juste à côté. Il faudrait que je tourne un peu. Pour pas avoir les bois et sa tête face à moi. Allez, vas-y. Tâche-lui des coups. Ça se trouve, j'ai peut-être même pas pouvoir récupérer quoi que ce soit dessus. Ok, c'est plutôt bien fait. Hein. Alors maintenant, ouais, si, c'est bon, j'ai pu récupérer du cuir et tout. Par contre, là, les plantes, faut bien retenir. Gazer, camomille, Ricker. Sickle to use. Sickle. Pour moi, c'est un outil. Hein. C'est un outil M. Même en appuyant sur M, ça passe pas. Enfin, du moins sur le point d'interrogation qui est normalement le M en anglais. Hein. Ça ne veut pas. Caractère. Je peux aller voir mon caractère en appuyant. Alors, déjà, M, ça marche pas. Le point d'interrogation, ça marche pas.
Et quand je fais quote, ça marche pas. Il va falloir que je rebine tout ça. Si je fais C, j'ai mon petit perso. Là, on voit mes armes. Mes stats en magie. Ok, les dommages que je fais. La défense générale. Expérience 39 sur 100. Et basique, 2 de force, 1 d'agilité, 3 d'intellect et 2 de charisme. J'ai pas de bijoux, rien du tout. Et switch to second weapon. Ok. Ok, d'accord, je pourrais mettre d'autres trucs. Ah bah ouais, mais bon, je fais comment pour... Je vais mettre l'archerie dans ce cas-là. Je vais mettre ça. Voilà. Ah cool. Ce sera déjà pas mal. Comme ça, je viens là. Je peux switcher. Voilà. Au pire des cas, on va voir s'il n'y a pas un autre bestiau à chasser. Papillon, je peux pas le verrouiller. Je sais pas si la pierre, on pourrait la taper là-bas. Ça m'a fait un truc bizarre, la caméra. Est-ce que je peux aller choper un petit buisson? Oui, alors ça, je peux. Je vais tout prendre. Par contre, l'autre, je sais pas du tout. Je sais même plus comment ça s'appelait, le truc, là. Un skills ou je sais pas quoi. On va essayer de voir. Ah, j'ai découvert Westain. Ok, est-ce que je peux taper la pierre? F. Pourquoi F? Wild berries. Wild berries. C'est encore bugué sur les wild berries. Alors que je ne suis plus sur le buisson d'avant. Ok. Ok, c'est bizarre. Bon, moi, en tout cas, faut que j'aille ici. Et puis, ben, on va voir. Start the mission. Uncle, there was a cave up in the mountain? You've returned already? What did you find? I'm not sure. I saw some figures in the fog. La voix est très mal choisie. In an ancient language and a voice. He said something about a cycle and gods and warriors fighting. What does it all mean? I wish I were able to tell you. Je suis dégoûté parce qu'il a une grosse barbe. Really need to know this? Yes. Then I might know a man who can help you. His name is Ernest Hoffner. He was the best expert in ancient languages I know of. Now, he doesn't participate in any researches at all. He lives in the house near the Golden Forest. He might be able to help you. Thank you, Uncle. I will go immediately. This might not be a good idea. The road could be dangerous, so perhaps you need to get a horse for Mr. Alton and some equipment before you go. Ok, F, start the mission. Ouais, pareil, ça reste affiché, mais la mission, elle a déjà start. Hello. Ok, show me what you have. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. You can teach me blacksmith. Blacksmith, ok, je peux lui... Bon, pareil, il montre ce qu'il peut, machin, Hello. Bidule, ok. Ok, donc là, par contre, ouais, je peux aussi vendre des items. Là, il aura un plastron que je ne peux pas mettre. Alors, on va essayer de voir s'il n'y a pas une. Ouais, des petites boutiques là pour voir si on peut pas acheter un outil. Ouais, montre-moi ce que t'as à vendre. Des potions de mana. Ah, ouais, c'est quand même 11 pièces d'or. J'en ai pas des masses donc ça va attendre. Montre-moi ce que vous avez à vendre. Ah, pareil, la viande, le fromage et tout. Ah, j'ai même pas assez pour m'acheter un bout de viande quoi. Après le sel, je vois pas ce que ça va m'avoir. Il va falloir farmer hein. C'est dommage, ouais, qu'ils me mettent aussi tout. Je peux vendre ma viande pour 2 d'or. Ok, 4 gold. Le cuir, 2 gold. Le fromage, 2 gold. En gros, il faudrait vendre des wild berries. C'est ce qui rapporte le plus. Je pourrais avoir un anneau. Mais il sert à rien. C'est un anneau simple qui sert à rien. Ah, c'est ça qu'il me faut. Ah, faudrait que je l'achète, ça. Ah, je vais l'acheter, j'ai pas le choix. Ah, peut-être une pickaxe aussi, mais j'ai plus que 9 pièces 7. C'est chaud, quoi. Les armes, 2 gold. Ma torche, je vais peut-être la garder. Le gourdin, c'est 2 pièces d'or. Ouais, j'aimerais bien tester un peu toutes les armes d'abord. Ça, c'est un cheat-in de machin bidule. C'est tendu. Au pire des cas, je peux peut-être vendre ça. Ah non, ça restaure de la vie et de la stamina. J'ai peut-être me les garder pour le moment. Montre-moi. Ouais, les orques idol. Ok, bon écoutez, j'ai déjà au moins acheté mon truc. Ah ouais, mes flèches, elles sont clipsées
Elles sont clipsées en haut, mais je vois pas ce que je peux mettre après dans l'autre, alors. Ça restera à voir. Alors, on va aller voir le monsieur pour qu'il nous donne une petite mission, là. Fine day, isn't it? Ouais, can you teach me a machin bidule, ok. Donc là, je pourrais lui acheter un capuchon, critical strike chance, c'est 5 vies en plus, mais j'ai pas de sous. Je pense que la vie va me coûter bien cher, donc il n'y a pas d'autres trucs sur l'autre page. Bye. Would like to hunt since childhood. Ok, on va aller chasser pour lui. Il faut tuer une bête dans la cave à l'ouest des montagnes. Ok, donc on va devoir aller tuer une bête féroce. Toi, je peux te parler. Ok, c'est... Ah, j'y vais changer, hop. Ah, je suis en train de prendre les tomates. J'espère qu'elle va pas être dégoûtée. Hello, sure. Question, Eddie, machin, machin, get you. I think should Adam the true. The need. Ah, puis je sais pas trop ce qu'elle veut, la petite dame. Ah ouais, il demandait ma main en mariage. My friend Adam goes to machin m'a demandé. Ah, ok. Question. Je sais même pas comment elle s'appelle. Ah, c'est Eddie. Ok. Let me think about. I think you. Devez parler à Adam. Pour avoir. Pour savoir la vérité. Even if you love. Si vous l'aimez. You can give you. What you need. Je ne sais pas pourquoi vous n'accepteriez pas. If you love Adam. Shumare. Vas-y, on va mettre ça. Allez, hop. Je te tape tes légumes pendant que t'as le dos tourné, merci. Ce qui est marrant, c'est que ça ressemblait pas... C'est Eddie, là, peut-être, non? Play someone to some machin. Greeting traveler. Ah, ok, c'est voyage rapide, là. Ok, non, je veux pas voyager rapidement. Par contre, là-bas, il y a un truc qui clignote. Donc, on va aller ramasser ça. C'est les petits champis. Ok. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à se faire une première quête. Je vais essayer de rebinder ma map, là, parce que ça va être la galère, ça marche pas. Ok, backwat, maintenant, ça marche en anglais. Donc, c'est parfait. Slay la bête. Est-ce que je peux mettre un marqueur sur la map? Time challenged, non. Ok, donc, en fait, faudrait que j'aille derrière moi. Mais écoutez, je vais me rendre là-bas sur place et on va essayer d'aller taper la bête. Ok, j'ai pu mettre un petit marqueur devant. Je peux pas faire le tour par là. Donc je vais ressortir du village. Et puis je vais suivre mon petit point. Alors ce qui est marrant, c'est que je peux pas clipser mon pointeur directement sur... sur le rond rouge qu'on voyait. Je suis obligé de poser ça devant. Donc vu que je suis déjà essoufflé, ça va me prendre un sacré bout de temps. Donc on va se retrouver sur place. Ok, on arrive. En fait, c'est juste au-dessus du village. Je pense que l'entrée est juste là. Vu qu'on voit un truc apparaître. Ah, ça se trouve, là, je vais pas pouvoir miner. J'ai pas de pioche. Ouais, c'est ça. Il me faut une pickaxe. Je sais pas si je pourrais me la crafter moi-même. Faudra essayer de trouver une forge. Non, c'est une plaisanterie. Faut que je redescende. Ils sont sérieux ou quoi? Genre, j'ai pas d'accès ici. Déjà, là, il y a quoi, là? Il y a des œufs. Ok, je vais les prendre. Bon, je serais pas monté pour rien. Par contre, ouais, je sais pas si je peux genre piquer par là dans ce cas-là. Parce que là, ça va être compliqué, quoi. Ah ouais, c'est tendu, quoi. J'espère que je vais pouvoir monter par ici. Parce que sinon, je vois pas pour où je peux passer. Vas-y, monte, monte, monte. Ouais, c'est bon, ça passe. Ok, je me suis tapé un tour pour rien, quoi. Super. Ouais, on ira au cimetière une autre fois. Et je vais me dépêcher d'aller vers la grotte. Ok, l'entrée de la grotte serait juste là. Ouais, franchement, j'espère que j'ai la puissance requise pour me taper une bête parce que ça me fait un peu peur, quoi. Ok. Ok, c'est un ours. On va essayer de rester derrière lui pour le taper. Ok, je me recule. Ouais, je me protège. Allez, mets des coups. Ok. Là, je me recule dans son antre.
Voilà, je vais à droite, je vais à gauche. Tu m'as pas vu, Lustucru. Là, je me mets sur le côté et je te fracasse le cucu. Allez, c'est parti, l'ours. Meurs. Je dois montrer à mon village que je suis un héros. Que je peux les défendre. Malgré que j'ai plus du tout de stamina. Vas-y, décale-toi. Ah, c'est bon, je me suis décalé au bon moment. Ah, je sais pas si, genre, ouais, j'ai peut-être pas assez. En fait, dodge, ça se trouve, c'est pour... c'est pour dodge, c'est peut-être pour esquiver. Et vu que je suis pas assez agile pour le moment, eh ben, je ne peux point. On va le faire tourner en rond, le bestiau. Allez, c'est parti. Ah ouais, non, là, ça va être tendu pour moi. Ah, je pourrais peut-être essayer de te finir avec une flèche. Allez. Je vais fermer vite ça. Je vais me décaler ici. Yes, je l'ai tué à coup d'une flèche ancestrale. Et oui, c'est bon, je t'ai vaincu, bête. Je vais tout récupérer. J'irai vendre ma bidoche. Je mangerai que du... je mangerai que du poisson ou du fromage. Vas-y, 4, éclaire-moi. Donc là, il n'y a rien d'autre. J'ai peut-être enlevé mon point, par contre. Il y a moyen de... Ouais, voilà, de l'enlever. Merci bien. On va rentrer valider notre petite quête. Ok, j'ai été repéré par des loups. Je voulais aller cueillir des champis. Et... Je vais venir taper ce bestiau. Vas-y, charge. Et... va charger les loups. Ah, me dites pas que je peux pas passer ici. Parce qu'ils vont se taper entre eux maintenant. Non, ils repartent. Ah, par contre, toi, si tu montes là, je veux bien, moi. Non, il peut pas. Il peut pas, il est... Il peut pas, il est coincé. Ok, donc nous, on retourne au village. Et puis, on va valider notre petite mission. Ok, vu qu'on est là, je sais pas si, genre, je peux piller les tombes. Showell, ok, il me faut une pelle. Je ne peux pas jouer. Ah, par contre, ça, je peux maintenant. Donnez-moi les petites fleurs. Camomille. Voilà. Je vais pouvoir me faire du thé à la camomille maintenant. Remettre de vieille. Enfin, de grand-mère. Ok, on coupe par là. Alors, monsieur le bestiau, il est où là? Je crois que c'était lui, hein. Fine day, isn't it? Non, ça c'est pour... Ah ouais, Slay the Beast, voilà. Ok, parfait, on est niveau 3. Ok, nickel. Eh ben écoutez, voilà, c'était Geodonia. J'espère que cette petite présentation vous aura fait plaisir. Je pense que j'y reviendrai plus tard. En tout cas, si vous, ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Si vous ne voulez pas louper la suite de nos aventures sur la chaîne ainsi que les autres jeux présentés en test et découverte ou à tout autre moment, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Ce petit jeu est en promo actuellement pour les soldes de Noël, donc profitez-en si ça vous intéresse, il est encore une fois à 4,99€. Sur ce, je vous laisse, je vais voler la petite corde, je ne sais pas si c'est considéré comme du vol, mais je vais la prendre. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde et surveillez bien. Et peut-être que la prochaine fois, on ira faire un tour de cheval. Excellent! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros! Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau!